La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a publié la liste définitive des candidatures pour les élections législatives 2016. La CEI a retenu 1145 dossiers sur 1153 reçus, ce qui équivaut à 1390 candidatures validées. Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier les rejets. Des candidats dont l'attestation de régularité fiscale ne portait pas le sticker. Nous les avons appelés pour leur demander de régulariser, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Une candidature où il n'y a pas eu la caution de 100 000, malgré nos appels, le candidat n'a pas pu nous fournir cette caution. Il y a également des problèmes de nom, par exemple un candidat qui nous donne un dossier, nous regardons sur la liste électorale, parce que ça aussi, à partir du numéro de la carte d'électeur qu'on nous donne, nous regardons si le candidat est sur la liste électorale. Donc un dossier a été rejeté parce que le candidat n'est pas inscrit sur la liste électorale. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire examiner la décision de la CEI. Nous avons ouvert le dépôt des candidatures du 7 au 17 novembre, 17h. Mais pour tenir compte des retardataires, nos locaux sont restés ouverts le 17 à minuit pour les derniers retardataires. Cette année, la CEI a enregistré plus de candidatures que lors des législatives de 2011, qui n'avaient recueilli que 946 candidatures. 676 candidatures indépendantes ont été comptabilisées par la CEI et les femmes représentent 12% des candidats. La campagne électorale est prévue du 10 au 17 décembre 2016.